Bienvenue sur Isle of Free. Vous rencontrez des difficultés pour surfer avec le navigateur internet de la Freebox Révolution ? Après quelques secondes de surf, le navigateur se ferme tout seul et revient sur l'interface Freebox TV. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer en quelques étapes comment résoudre ce problème et optimiser son utilisation. Alors, pour commencer, vous allez devoir réinitialiser votre Freebox Player. Il s'agit de la box avec le lecteur Blu-ray. Pour cela, débranchez le câble électrique 12 volts directement à l'arrière de l'appareil. Toujours à l'arrière de votre player, appuyez sur le bouton noir Reset. Ce bouton est précisément situé sur votre player à l'arrière, au centre, au-dessus du mot Freebox. Au bout d'un court instant, une demande d'association de la télécommande va apparaître sur votre écran. Vous allez alors appuyer sur les boutons Free et AV pendant 2 secondes, puis les relâcher. Votre télécommande est maintenant associée, appuyez sur OK pour continuer. Cette manipulation est relativement simple, mais si vous rencontrez un problème pour l'exécuter, un tutoriel est disponible à l'adresse www.islofree.fr/télécommande. L'étape suivante est le paramétrage de l'image. Suivez simplement les instructions qui s'affichent. Réglez ensuite les bords de l'écran puis sauvegardez. Une fois sur la page de recherche des chaînes TNT, appuyez sur « Plus tard ». Très bien, vous voici maintenant sur l'interface Freebox TV. Vous allez donc vous rendre sur l'onglet « Réglages » vers la gauche, puis descendre sur « Système ». Tapez « OK » pour entrer dans le menu. Descendez de nouveau sur « Réglages du navigateur web », appuyez sur « OK ». Vous êtes sur la ligne « Réinitialiser la page d'accueil », appuyez sur « OK », puis validez votre choix en appuyant sur « Oui ». Répétez ces étapes sur la ligne « Effacer les signets » et la ligne « Effacer l'historique ». Une fois les signets et l'historique effacés, descendez sur la ligne « Activer flash » et désactivez le flash en passant l'option sur « Non ». Cette manip se fait avec les flèches droite-gauche ou le bouton « OK » de votre télécommande. À ce stade, appuyez directement sur le bouton Free pour revenir sur l'interface Freebox TV. Rendez-vous sur l'onglet Web, puis cliquez sur Navigateur Internet pour commencer à surfer. Petite astuce, vous pouvez brancher un clavier et une souris en USB sur le player. Voilà, vous pouvez maintenant naviguer à votre guise sur la toile et vous rendre sur vos sites favoris sans aucune difficulté. Si malgré tout vous constatez des bugs persistants, n'hésitez pas à appeler le 3244, muni de vos identifiants hotline disponibles sur free.fr, espace mon compte et mon assistance. Je vous remercie et vous dis à très bientôt sur I Love Free pour de nouveaux tutoriels.